faire des répétitions encore et encore. Pousser, tirer, soulever, déplacer, souffler, transpirer. Voilà ce qu'on fait à chaque séance. Ouais. On enchaîne les séries, les exercices, les répétitions. Mais il y en a une qui est plus importante que les autres. Celle que vous pensez ne pas pouvoir faire. Cette dernière rep, celle qui fera la différence. Celle qui fait que vous progresserez. Alors allez à l'échec sur toutes les séries de chaque exercice, oui, ça peut limiter votre progression à un moment donné. Mais le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne vont pas assez loin dans leurs efforts. Alors n'oubliez pas, c'est quand ça brûle qu'on commence à travailler. Il faut se faire violence, toujours plus loin, toujours plus haut. Aller à la salle comme si c'était la guerre, pousser à en crever, dépasser la douleur, la souffrance, et vous deviendrez une vraie machine. Arrêtez-vous quand votre corps l'aura décidé. Ne vous arrêtez pas avant. Jamais. À quoi bon aller à la salle pour faire les choses à moitié? Faire les choses à moitié n'amènera pas à avoir la moitié des résultats. Vous aurez rien du tout. Alors peu importe votre but, dites-vous que si un humain l'a fait, vous pouvez le faire. On a tous deux bras, deux jambes, des problèmes personnels, des imprévus, des joies, des peines. La différence, elle se joue entre ceux qui sont déter et les autres. Au début de chaque série, demandez-vous pourquoi vous la faites et faites-la à fond. À fond, comme si c'était votre vie qui en dépendait. Et vous verrez, rien n'est mieux que la satisfaction d'avoir tout donné. Le succès, la réussite, c'est l'addition de petits efforts répétés jour après jour. Il n'est pas question de talent, mais d'effort. Reculer devant l'effort, c'est renoncer au succès. Alors ne soyez pas déçus des résultats que vous n'avez pas obtenus si vous n'avez pas tout donné. Que vous soyez un homme, une femme, maigre, en surpoids, handicapé, riche, pauvre, faites-moi cette putain de dernière rep. Et vous verrez, les résultats seront au rendez-vous. Que du sale.